La ville de Mandelieu vient de constituer sa brigade lourde d'intervention. Avec l'acquisition de ses deux premiers véhicules, chenillés et amphibies, nos forces peuvent maintenant se déplacer en tout lieu du territoire et en toutes conditions. Ce sont les enseignements de 2015 et de 2019. Lors de ces crues, nous avons constaté que les moyens conventionnels étaient largement insuffisants et que bien souvent, ils étaient inopérants. Nous avons donc recherché des engins capables de passer, quel que soit le temps, quelles que soient les contraintes, pour secourir et apporter un soutien logistique aux quartiers en difficulté. Vous allez découvrir leurs capacités. Ces véhicules sont puissants, ils seront maniés par une brigade spécialisée des agents de notre police municipale, spécialement entraînés depuis de longues semaines, et ils assisteront auprès de leurs collègues du service technique, eux aussi spécialement équipés. Ils constitueront cette force de projection qui sera capable de vous secourir et d'assister. Très prochainement, cette brigade sera complétée de nouveaux véhicules qui nous donneront une force de projection encore accrue et qui nous permettront, en plus du PC central, d'être présents au plus près du terrain pour agir. Je vous laisse les découvrir et vous le verrez, ils sont impressionnants. Aujourd'hui, ça va être une formation essentiellement amphibie, c'est-à-dire sur l'eau, contrairement à la première formation que nous avons effectuée sur Terre. Et c'est plus du tout la même conduite et la même façon de voir les choses. Permet de peut-être sauver des gens qui seraient sinistrés dans des endroits inaccessibles par des véhicules, on va dire, communs. C'est un véhicule qui est un peu un passe-partout et ça va nous permettre de pour des gens, je dirais, isolés, qu'on peut mettre jusqu'à 16 personnes à l'intérieur. C'est un véhicule amphibie qui est prévu pour soutenir la police municipale de Mandelieu en cas d'inondation ou en feu de forêt pour venir en secours des personnes.